Je pense que les modules des bases, la cellule, l'appartement jouent un rôle capital. Ça veut dire que c'est cette cellule des bases qui compose aujourd'hui l'image de notre ville. Nos villes sont complexes, elles sont sédimentaires, et elles sont souvent contradictoires. Et je pense que tant qu'on ne change pas la manière de vivre dans une cellule classique, tant qu'on n'ouvre pas les espaces, finalement, nous n'arrivons jamais à changer l'image de nos villes. D'origine polonaise, j'étais née à côté de Gdańsk, au bord de la mer Baltique, dans une ville qui s'appelle Sopot, qui constituait pendant très longtemps le lieu de villégiature des Allemands. Et elle est assez curieuse dans la mesure où il y a beaucoup de maisons en guillemets très bizarres. Ce sont des maisons souvent très riches en volume, très différentes les unes des autres, pas souvent très bien agencées, mais qui constituaient pour moi toujours une preuve d'une certaine richesse qu'on puisse avoir quand on construit. Il s'agit d'élaborer un autre environnement pour la ville, moins brutal et plus accueillant. Mon travail sur l'espace vise à briser les contraintes excessives des surfaces parallèles. Il tend à créer plus de plaisir et plus de beauté pour les utilisateurs en explorant la variété des angles de vue ouverts par l'oblique, en jouant sur la lumière qu'il capte, en jouant sur l'inclinaison des pans et des ouvertures toujours changeantes par rapport à l'horizontale. Il y a des lieux qu'on souhaite construire pour les gens, pour les habitants. Ce sont des lieux qui sont caressés par une belle lumière, ce sont des lieux où la perception change au fur et à mesure qu'on se déplace, ce sont des lieux où on découvre d'un seul coup plusieurs niveaux dans un logement. Il y a des lieux où on a envie de prendre la chaise, par exemple, s'asseoir et regarder à travers un pan coupé le ciel, les oiseaux, les nuages. Il s'agit plutôt de transformer un logement en scène théâtrale, en lieu de plaisir, où le regard s'évade, s'échappe et où on a beaucoup de perspectives à découvrir. Les espaces restent ouverts, intimes et fluides. Ils nous invitent, grâce à leur dynamisme, à y pénétrer, à y séjourner. On a toujours des vues différentes. On est toujours dans un endroit qu'on découvre. Moi, je vous assure, c'est vrai. Même encore, j'arrive à découvrir certains aspects, certains détails du logement, parce que, tiens, je le regarde de telle et telle façon. Et ça, c'est les perspectives, et ça, c'est vraiment une richesse, et le volume, c'est une grande richesse. Maintenant, ce qui est pour moi irremplaçable, c'est aussi l'accès, avoir la possibilité d'être à l'extérieur. Bon, on voit aussi l'appartement quand on est sur la terrasse, eh bien, on a le privilège de voir son appartement de l'extérieur. À peu près 80% des logements ont des terrasses, d'autres ont des jardins privés en rez-de-chaussée, sinon il y a aussi des loggia. Chaque logement a quelque chose, mais ça veut dire un prolongement de la vie de la maison vers l'extérieur, vers la vie urbaine, d'un côté et de l'autre côté vers cette ville et vie campagnarde plutôt qu'on aime tant. Donc, le plaisir de la terrasse, hein, c'est d'abord d'y faire pousser des arbustes, des fleurs, d'avoir la verdure à sa porte, on vit avec les saisons. Moi, la première chose que je fais le matin, c'est de sortir sur la terrasse. Sortir sur la terrasse simplement pour profiter de l'odeur du matin, de la terre, de la fraîcheur. Ça, c'est... Et puis d'être de plein pied, d'être à l'extérieur. La terrasse, c'est une vie permanente entre l'intérieur et l'extérieur.
On ne démonte pas un écrivain, on décrit un livre avec une partie de l'alphabet. On ne démonte pas un musicien, on doit composer une œuvre musicale en prenant une partie des notes, sauf si c'est un choix. Par contre, tout le monde est bien d'accord qu'il soit naturel qu'un architecte construit toujours dans cette contrainte de parallélisme. Or, dans un espace, il y a un nombre infini de directions. C'est une source inouïe, finalement, du plaisir pour un architecte. Et je ne vois vraiment pas pourquoi il faut se limiter au parallélisme. Donc, il y a vraiment un changement de contraste entre habiter ici et habiter le Verbois. Il était fini construit en 1962, les premiers HLM, quoi. Un F4 dans le béton, comme on voit là, quand on voit dans les yeux. Donc on a préféré des appartements neufs, et puis originaux en plus, et puis beaucoup d'espace en plus. C'est un HLM qui est construit sur le site un peu individuel, quoi, de la petite maison tranquille, quoi, tout en étant en ville. C'est un bon principe. Ça change tout à fait des tours traditionnelles sur 8-10 étages qui font vraiment cité. C'est les toits rouges. Les toits rouges qu'on est baptisé. Ah ouais. C'est carrément un dépaysement. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés il y a 2 ans puis ils sont repartis 6 mois après parce que ça leur plaisait pas du tout. Mais est-ce qu'il y en a qui restent parce que ça leur plaise? Nous, on reste parce que ça nous plaît. Bon, bah, vous le voyez par vous-même, hein, l'ensoleillement, la terrasse. Si je pourrais vous dire d'autre, moi. La beauté du site. Et on se demandait si on allait pouvoir mettre nos meubles. Oh, il y en a qui disent qu'il y a des pièces un peu tordues, machin, mais il suffit d'aménager comment? Mais quand on a vu une autre qui était presque finie, bon là, elle a dit, bon bah d'accord, on arrivera à tout mettre. C'est blanc, c'est beaucoup blanc, c'est très blanc, oui. Donc c'est lumineux. On voit le ciel par en haut. Bon, avant qu'il y ait les vitres opaques, qu'on voyait les étoiles le soir, c'est agréable. Quand les gens viennent, vous disent, ouais, c'est vrai que ton logement, il est bien. C'est quand même mieux que ce que vous étiez avant. C'est vrai que maintenant, je ne regrette pas. Avec la cour, où on est vraiment les uns en face des autres, on a plus de facilité à communiquer, à discuter. C'est cordial, c'est gentil, et puis on a vraiment une bonne entente entre nous. On est très bien, là. Repartir dans 4 murs, c'est vrai que ce sera que dans des murs, hein. Que là, t'as du bois, tu respires dans du bois. Quand il y a de la neige, c'est vrai que c'est agréable, on est en montagne, quoi. Sauf qu'on ne peut pas faire du ski. Dans la vie d'architecte, il y a beaucoup de projets non construits. Des études à l'échelle urbaine, pour la ville des Zaporogi ou pour la ville d'Aubervilliers, des projets plus intimes comme 48 logements sur 4 parcelles distinctes pour la ville de Stein ou une dizaine de logements rue Barbus au Blanc-Ménil ou d'autres encore. Ces projets d'une école maternelle tendent à mettre en valeur ces moments tellement importants dans la vie des enfants, les jeux. Et cet espace de jeu, le noyau du projet, se compose d'une coupole ceinturée par un toboggan doublé d'une rampe d'accès aux classes qui sont elles-mêmes décalées en hauteur. On peut donc y arriver sur les fesses, vu et applaudi par les copains. Ce projet d'une quinzaine de villas de grand standing en Corse s'inspire des phares maritimes, des tours de San Gimignano ou de tours génoises. Les maisons, toutes différentes, mais soumises à la même règle de déclinaison des volumes circulaires, sont encastrées dans la pente. Elles s'entrouvrent sur des patios et semi-patios, délimités par des façades courbes et panoramiques. L'espace moderne est fondé sur la notion du plan libre, et c'est la possibilité de concentrer les éléments de structure en une mince ossature. Et c'est ainsi que l'architecture moderne reprend le rêve gothique. Cette notion du plan libre, je l'ai développée dans mon diplôme face à la basilique gothique de la ville de Saint-Denis et après dans d'autres projets. Les poteaux sont remplacés par les arcs auxquels on suspend des planchers, en libérant au maximum les plateaux de tout point d'appui, facilitant ainsi les futures adaptations du bâtiment à des nouveaux besoins. Et donc les diplômes, c'est mon premier projet qui est basé sur l'arc, où les arcs sont concentriques, voilà. Donc il y a 3 couches concentriques des arcs, où chaque couche est réservée à un autre programme, tandis que le premier arc, le plus petit, délimite les passages, des limites des commerces, des limites et des bureaux. Et c'est plutôt cette vieille idée de passage parisien, non seulement parisien, mais de passage du 19e siècle ou des grands magasins que nous avons essayé de reprendre.
Un principe semblable a été proposé pour les secteurs mixtes, logement-équipement ou logement-activité, dans le cadre d'aménagement de 50 hectares pour la ville de Bron. Il s'agissait de réaliser une ville utopique et écologique. Ici, toute la structure est suspendue aux arcs, si vous voulez, afin de dégager au maximum les rez-de-chaussée, le premier. C'est les arcs en lamelles collées. Il y a 48 arcs en lamelles collées, hein, et tout est suspendu à ces 48 arcs. Vous n'avez que 96 pieds pour l'ensemble de la structure, qui représente plusieurs milliers de mètres carrés. Et le collège, il est composé de deux bâtiments. Côté rue, le bâtiment il est linéaire, comme s'il s'agissait de la vitrine sur la rue, sur la ville. Il s'agit du bâtiment d'administration, plus loin du hall d'entrée, et des bâtiments d'éducation artistique. Il m'était très important de ne pas mettre de clôture le long du terrain du collège, de faire prolonger les trottoirs sous les bâtiments du collège pour que les enfants puissent profiter de la vie de la ville, et l'inverse, pour que les passants puissent profiter de la vie du collège. Le collège n'est pas conçu comme un bâtiment classique. J'ai souhaité recréer plutôt l'ambiance d'un village avec son agora, sa place centrale. Les classes, le restaurant, les CDI rayonnent autour de cette place qui se prolonge sous les arcs, créant ici des espaces supplémentaires de jeu. Des gradins sont installés sur les arcs grâce à la remplinaison, permettant ainsi de transformer la place en scène théâtrale. Dans ces collèges, il y a beaucoup de passages possibles, beaucoup de coursives à prendre, beaucoup d'endroits à découvrir, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt une volonté. J'aurais souhaité que chaque élève puisse avoir le choix, quel parcours à prendre, si on veut joindre des copains, si on veut descendre dans la cour de récréation. Et bien évidemment, c'est un bâtiment qui est très complexe. De ses coursives, de ses jardins, de ses terrains extérieurs, on peut découvrir toute la complexité du collège, de la vie du collège, en même temps, au même titre qu'un élève, un jour, en quittant l'école, et retrouvera la complexité de la vie qui l'entoure. Hey, la Pour le CDI, c'est-à-dire pour le centre de documentation, les arcs sont exploités d'une manière différente et les volumes sont très intimes parce que c'est plutôt un phénomène des coquilles. On est enveloppé par le bois. En même temps, et les façades s'ouvrent forcément vers l'extérieur, un vitrage oblique. Ça s'ouvre en même temps vers les couloirs des classes, aussi bien que les niveaux plus bas, niveau de la cour. Il a fait un collège près des banlieues. Donc, je pense que c'est une femme qui a fait ça. C'est une femme. En plus, elle a fait ça pour qu'on se sent bien dans ce collège. Et il s'imagine que ça serait bien qu'il y a des trucs comme ça, quoi, pour s'asseoir. Il s'imagine que ça serait bien, il y a des arbres au milieu, là, comme ça. Il s'imagine dedans et après il le fait, quoi. Non, elle est bien l'architecture. Mais pourquoi ? Mais elle est bien. Attends, tu préfères Prolongement aussi, n'importe quoi. Tu dis la vérité. Je préférais Prolongement. Mais arrête de bon collège, c'est une cour de récréation partout. Tu préfères un collège comme ça. Tu vois pas tout le monde court dans ce collège. Ils se sentent mieux ici que chez eux. Je souhaitais projeter un collège qui ne se détermine pas par des couloirs sans fin.
et par des modules répétitifs des classes. Il est important pour que chaque élément de programme s'impose par des volumes très différents, par des ambiances très variées, par des éclairages et particuliers. Je cherchais plutôt l'ambiance ici de plaisir, si on peut dire ici. Bien, évidemment, c'est un lieu d'apprentissage, mais je pense qu'il est très important dans un collège pour que tous les lieux de détente soient traités d'une manière très différente, en donnant aux enfants un autre plaisir, plaisir d'approfondir les connaissances. Vous y allez souvent, vous, Céline ? Je dirais la plage. Comment ? Je dirais la plage. La plage ? Peut-être à cause des gradins, parce qu'ils s'installent confortablement. Il y en a certains qui s'allongent, donc ça doit être pour ça. C'est très bien, je trouve ça bien. S'ils sont à la plage, c'est qu'ils s'y sentent bien. Je crois que c'est pas mal, si c'est aussi l'idée de l'architecte, c'est que par rapport à leur cité qui se trouve de l'autre côté de l'avenue, ici, c'est une vie un petit peu privilégiée dans leur journée. Hein, ils sortent un petit peu des difficultés extérieures, parce qu'il y en a à tous les niveaux. Nous, on essaye de faire en sorte que l'école leur apporte aussi tout ce que peut-être la ville ne leur apporte pas. J'avais vu une photo de la cité, ça m'a beaucoup plu, j'ai voulu savoir où elle se trouvait, cette cité. Et puis j'ai fouiné, il n'y avait pas d'adresse indiquée sur le bulletin municipal, donc j'ai parcouru un peu Blanc-Ménil, puis j'ai enfin trouvé la cité. Enfin, je savais qu'elle était à proximité de la station RER, et je me suis retrouvé dans un cadre inhabituel. Ça nous a beaucoup plu, j'ai amené ma compagne, et puis on a décidé de faire une demande d'un appartement dans la cité. Par hasard que nous sentons très bien dans les villes de Renaissance, dans les villes du Moyen-Âge, dans les villes baroques. Nous éprouvons certains types de malaise dans la ville contemporaine. Mais je trouve que la vie est complexe, que l'échappée du regard de l'individu sont complexes, que quand on se balade dans une ville, on peut voir des choses complexes. Je pense que c'est souhaitable qu'on puisse voir des choses complexes et pas une façade linéaire sur 200 mètres. Ces changements permanents de l'angle de vue, cette richesse de lieu que nous découvrons, cette dimension de découverte finalement, c'est une dimension propre à l'architecture. Et il est très important d'y soigner cette quatrième dimension et de nourrir le regard du spectateur au maximum possible. Il faut vaincre un certain nombre d'habitudes, de craintes. C'est la crainte du risque, la crainte du nouveau. Et donc il faut bousculer un certain nombre de mauvaises habitudes. Et cela, ça a demandé évidemment beaucoup d'efforts de la part du maître d'ouvrage, et bien sûr de l'architecte aussi, beaucoup de ténacité, de pugnacité. Mais en fin de compte, il suffit de vouloir. Si on veut, ce genre de choses est possible dans les mêmes termes économiques que des choses beaucoup plus banales. Mm.
cette conception atelier-logement. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a atelier, 60 mètres carrés, avec escalier qui monte vers haut, vers premier niveau, où j'ai une chambre, ma chambre à coucher, avec salle de bain, toilette. Et aussi escalier rond qui monte vers troisième niveau. Ici, j'ai encore une deuxième chambre et salon avec une cuisine, c'est ensemble. Et aussi, deuxième partie du salon, un petit coin triangulaire que j'aime beaucoup. J'ai choisi celui-là parce que j'ai voulu avoir des petits coins. Le fait qu'il y ait des étages, qu'il y ait des coins comme ça, des angles, on arrive à avoir des lieux bien, bien particuliers. Et en fait, c'est vrai qu'on se marche pas sur les pieds, on a chacun notre espace. C'est un quotidien qu'on vit ici, un cadre qui fait qu'on n'a pas envie de le fuir tous les week-ends. Ça, c'est une évidence pour nous. De venir ici et non pas au pavillon. Hein. À la fois, il y a le côté agréable et plaisant enfin, du coin, mais il y a aussi tout ce qu'on peut rencontrer dans une vie en collectivité, c'est-à-dire les gens qui se côtoient, et une vie associative, un aspect de quartier qui n'existe pas dans les pavillons. Hein. Dans les pavillons, les gens sont chacun est chez soi. Les enfants, il faut inviter les copains à la maison pour pouvoir jouer. Des pierres. Par exemple, le samedi, dimanche, les gens ils organisent le dîner en terrasse, ils chantent, ils parlent. C'est vraiment ambiance agréable. On se sent un peu dans la famille. Ouais. Il n'y a pas de... on n'est pas anonyme ici. Quand j'habitais à Paris, j'étais très très seule. Ouais. Et aussi, je sais pas, cette chaleur de bois. Qui monte notre morale souvent. Ça me plaît beaucoup, c'est la sculpture pour moi, c'est vraiment c'est l'art. La vie est plus créative, je pense, ici. Au fond, les citoyens ont quelque part les quartiers où l'habitat qu'ils méritent, et donc c'est à eux de faire triompher ce type de projet et d'exiger de toute l'énorme organisation bureaucratique complexe, qu'ils fassent en sorte que de tels projets qui sont économiquement possibles, nous l'avons montré, puissent être construits. Suivant les critiques Geoffrey Scott, l'architecture, qui a des points communs avec la sculpture, procure cependant un plaisir qui est typiquement le sien, celui d'un espace à plusieurs dimensions capable d'accueillir des personnes. Elle a le monopole de cet espace. Il ne faut donc pas réduire la culture architecturale à un secteur d'activité académique et moisi. L'architecture est trop liée à la vie. Ses perspectives sont celles de la communauté moderne. Elle est le seul art auquel on ne puisse échapper. C'est pas simplement quelque chose qui est juste, parce que beaucoup d'architectes font du juste. Le juste, ça existe. C'est quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à la fois très compact, qui appartient à lui-même, qui est une œuvre. Et en même temps, qui est un cadeau, et qui a les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est très dur, l'architecte ne donne pas de concessions, se garde pour elle, et en même temps,
C'est un cadeau très ouvert aux autres. Et je crois que le mélange de ces deux choses, c'est une chose très rare qu'on n'a pas en architecture beaucoup. Moi, immédiatement, ça me fait penser, alors là, ça peut faire frémir, ça me fait penser à la Cité radieuse, ça me fait penser à des grands travaux emblématiques, mais j'ai pas de... ça me fait penser, c'est bête, mais ça me fait penser à Mozart, moi, ça me fait penser à des choses comme ça. C'est-à-dire des choses qui sont intangibles, qui sont de leur côté à elles, qui font pas de concessions, et en même temps qu'on peut s'approprier totalement.